Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui, ensemble on peut tout faire. Rex mécanique costaud. Licorne mécanique volante. Komodo mécanique bricoleur. Petite souris mécanique rapide. Sasquatch mécanique extensible. Les super mécanimaux, mécanique, faut pas s'en faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. L'île du Piquetosaure. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour petit chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Génial. Votre destination est l'île du Piquetosaure. Génial. J'ai toujours rêvé de rencontrer le fameux Piquetosaure. Comme tous les ans, le Piquetosaure se débarrasse de ses piquets. Il est impressionnant. Ses piquets sont vraiment très gros. Oui, et lorsque le Piquetosaure se secoue, il vole en l'air et retombe n'importe où sur l'île. Le problème, c'est qu'il y a trois petits cochons qui vivent également sur l'île. Les trois petits cochons sont en danger à cause des piquets volants du Piquetosaure. Oh non! Votre mission est de protéger les petits cochons des piquets. Mégani, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire! On est parti! On y va! En avant! Nous sommes arrivés sur la fameuse île du Piquetosaure. Et voilà le fameux Piquetosaure. Regardez tous ces piquets de Piquetosaure. Si tu les observes comme il faut, ils sont très durs. Komodo, Sasquatch, j'explique quelque chose à petite souris sur... Piquet de ces Piquetosaure. Est-ce que le moment est bien choisi pour te prévenir que tu risques de bientôt en recevoir un sur la tête? Mieux vaut tard que jamais. Regardez, voici les trois petits cochons. Pauvres petits, ils sont effrayés. Nous devons trouver un moyen de les protéger des chutes de piquets du Piquetosaure. Trois petits cochons, ça me rappelle une certaine histoire. Jacques et le haricot magique. Non. Tom Pouce ou bien le petit pousset. J'ai l'impression que l'histoire dont tu parles doit être les trois petits cochons. Non, c'est pas ça. Hansel et Gretel. Sasquatch, tu es génial. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Pourquoi je suis génial? Parce que grâce à toi, je me souviens que dans l'histoire des trois petits cochons, les cochons se construisent une maison afin de pouvoir se protéger du grand méchant loup. Mais bien sûr, on pourrait bâtir une maison aux cochons afin de les protéger des grands méchants piquets. Wow! On va devoir trouver une façon de calmer les cochons pendant la construction de leur maison. Sasquatch, tu pourrais peut-être jouer avec eux pour les calmer. Le puissant Sasquatch adore jouer à des jeux. Venez, petits cochons, suivez-moi. Avec quoi pourrions-nous leur faire une maison? Avec cette paille, on pourrait faire une belle maison. Les super mécanimaux, mettons-nous au travail. Ça a l'air bien. En fait, non. Il nous faut quelque chose de plus solide que la paille pour résister à ces gros piquets. Dépêchons-nous. Pourquoi pas des bâtons? Les bâtons sont plus solides que la paille. Oui, on peut essayer. Thank you.
paille et les bâtons ne sont pas assez résistants contre les gros piquets volants du piquetosaure. Qu'y a-t-il de plus solide dont on pourrait se servir? Dans l'histoire, de quoi se servent les trois petits cochons pour se faire une maison très résistante? Je le sais! Des briques! Et même le grand méchant loup ne peut pas démolir la maison en briques! Mais je ne vois aucune brique dans le coin! Et nous n'avons pas le temps d'en chercher! Qu'y aurait-il d'autre de solide et à portée de main? Ces piquets sont très durs et solides! Pas vrai, Commodo? Oui! J'imagine qu'il ferait une maison parfaite! Une maison en piquet pour les trois petits cochons! Les super mécanimaux, à nous de jouer! Je ne suis pas assez forte pour soulever ces gros piquets! Moi non plus! C'est impossible! Rien n'est impossible pour les super mécanimaux! C'est un travail pour... Rex! Mécanique costaud! C'est parti! Aidons-le! Attention! C'est très dangereux de construire une maison avec tous ces piquets qui volent dans le coin! Si seulement on pouvait trouver un moyen de dévier les piquets pendant qu'on termine la maison! Je vais m'en occuper! Licorne! Mécanique volante! Sert de sa corne magique pour faire une énorme tornade afin d'envoyer les piquets loin de nous. Attention de ne pas faire souffler la tornade trop fort, ça pourrait démolir la maison. Je vais m'assurer de la tenir loin de vous, mais faites vite, ces piquets sont très lourds. Je ne pourrai pas les dévier très longtemps. Allez vite, construisons la maison. Terminé. Bon travail, les amis. En espérant qu'elle est assez solide. Oui, elle est assez solide. Merveilleux. Maintenant, les trois petits cochons ont une belle maison sécuritaire. Mais où sont les trois petits cochons? Ils étaient avec Sasquatch. Est-ce que j'ai entendu mon nom? Sasquatch, où est le troisième petit cochon? Nous avons joué à cache-cache. Oh, je crois que j'ai oublié d'en chercher un. Oh, zut. Il est forcément tout près d'ici, on va le trouver. Je vais te trouver où que tu sois, cher petit cochon. Il est là-bas. Oh non, le piquetosaure se dirige dans sa direction. Il commence à se secouer. On doit vite sauver ce cochon. On n'est pas assez rapide. C'est un travail pour... Oh non, un piquet! Il va tout droit sur le cochon! Oh non, je ne veux pas voir ça! Je dois aller plus vite! Je te tiens! Petite souris a sauvé le petit cochon! Ouais! Entrez, petit cochon, voici votre nouvelle maison! Elle est sécuritaire et solide! Et les trois petits cochons vécurent heureux. Tout est bien qui finit bien. Les super mécanimaux, mission accomplie. Regardez, le piquetosaure a trouvé des briques. Merci pour ton aide, mais nous n'en avons plus besoin. Je pense qu'il voudrait qu'on lui fasse une maison avec des briques.
C'est incroyable. Le piquetosaure doit également connaître l'histoire des trois petits cochons. Ça va être une énorme maison en briques. Mécanie, pouvons-nous la faire? Nous, les super Mécanimaux, on peut tout faire. Oh, je viens de me rappeler l'histoire à laquelle je pensais. Boucle d'or et les trois ours. Oh, ça se passe.